pourquoi on est ici. Et quand on vous voit parmi nous, on se dit, ben écoute, la nation est toujours derrière nous. Et nous vous promettons que nous ferons, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour cette compétition et que le Bénin ne retournera pas produit par la grâce de Dieu. Bon, je vous remercie. Je suis passé leur transmettre le soutien du gouvernement, du chef de l'État. Vous savez que cette compétition rassemble plusieurs nations. C'est vrai que nous célébrons la francophonie, mais c'est également une compétition sportive. Et j'ai estimé qu'il était important qu'en tant que ministre des Sports, je vienne au nom de tout le gouvernement, au nom du chef de l'État, leur témoigner tout notre soutien. Nous avons une délégation sportive, nous avons une délégation culturelle. Et je crois que nous allons faire de très bons résultats. Déjà 2 jours de compétition, 2 médailles au plan sportif, c'est un bon début. Je suis venu les motiver et leur dire que le pays compte sur eux. Voilà. Il y a encore d'autres espoirs, surtout qu'il y a Odile qui est arrivé et Noélie Arrigo. Vous espérez? Moi, je crois que 1 ou 2 médailles d'or nous feraient beaucoup de bien, à nous-mêmes en tant que ministre, membre du gouvernement, au chef de l'État et à tout le peuple béninois. Et donc, j'espère vraiment que dans les jours à venir, le Bénin inscrira vraiment son nom dans cette compétition, qui est une compétition importante pour nous.